bien? Ouais. Merci beaucoup. Moi, c'est Gloria. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous savez, c'est rien. Ils vous ont rien pris, au moins? Oh, rien d'important. Ça va, oui. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Je sais pas, mais c'était comme un konagi. Un quoi? Un konagi. C'est un truc que j'ai vu à la TV. C'est un type qui prend la technique de l'homme sous. Et t'es au tapis sans rien avoir compris. Et à la fin, il te pousse un grand cri. Et tu crèves sur place. Aussi sec. Crois-moi, l'échappée est belle. Des types comme ça, y'a qu'à voir le regard. Mais je m'y connais, moi, je sais de quoi je parle. Que s'est-il passé, ma chérie? Je viens de me faire agresser par deux individus. C'est vrai? Ils viennent de s'enfuir. C'est grâce au jeune homme, là. Monsieur? Monsieur? Bonsoir, je te présente... Kenny? Je m'appelle Kenny, monsieur. C'est lui qui est intervenu pour me porter secours. Et il a pris les deux... Je vous remercie, cher ami. Vous avez fait preuve de courage, mais... Si j'avais été là, je leur aurais donné une leçon. Ils n'auraient jamais filé. Enfin, c'est vraiment pas gentil ce que tu me dis. Sans lui, je serais peut-être plus là. N'exagérant. Excusez mon humour. Comment pouvons-nous vous remercier? Oh non, 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 non. Peut-on vous inviter à dîner au restaurant? Je connais un endroit très sympa où on mange très très bien. Oui, mais non, c'est gentil parce que là, je dois vraiment travailler, monsieur. Parce que bon. Je travaille au restaurant, là. Et... Vous avez un restaurant? Mais c'est intéressant, vous êtes un jeune patron. Monsieur, dame, au revoir, monsieur. Au revoir. Encore merci. Attends-moi ici, je vais le suivre, je vais voir où est son restaurant. On pourrait y aller peut-être ce soir, on lui doit bien ça. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Oh, c'est une bonne idée, mon amour. J'arrive. D'où tu viens? J'étais là-bas. Dis, c'est toi qui dois être ici. Moi, je joue aux cartes normalement. Allez, allez, viens tout de suite ici à ma place. Allez, prends ta vie. Il n'a pas encore bu, il n'a pas encore bu, il n'a pas encore bu, il n'a pas encore bu. Oh, il y a un aveugle. Tu veux le mien? Bonsoir, monsieur, nous allons manger. Quelles sont les suggestions? Les suggestions... comme suggestion, nous avons en entrée la portion de cacahuètes. Et alors, comme plat, bien sûr, le choix entre le cervelas ou alors le croque-monsieur. En fait, nous sommes des amis personnels au patron. Oui. Pouvez-vous nous l'appeler, s'il vous plaît? Le patron? Oui, Kenny. Ce bon vieux Kenny. Kenny. Oui. Kenny. Le patron, oui. Kenny. Le patron, il nettoie les cabinets. Donnez-nous deux os. Oui, vous deux os, comme à Anvers. Oh les mains, personne ne bouge! Qu'est-ce que tu veux, Kenny? De la poudre à lessiver! Ton fric, abruti! Et vite! C'était la journée. Oui. J'ai un paquet de chips. Hey, mais t'as vu? C'est notre petite copine. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Ouais, il a l'air plus friqué, celui-là. Tiens, prends ça. Tu sais que ta copine nous a ridiculisés, tantôt? Mais je suis pour rien.
Mais prenez-vous à elle alors. Chandelle de ces pitchers, hein? Moi ouais, j'ai une bonne, hein. Merci. Et quoi, alors, je suis plus libéré, alors? Ben non, hein! Allez, à boire pour tout le monde! Ouais! On va laisser ces paysans fêter leur héros. Viens! Non. Comment non? Mais tu rigoles ou quoi? Tu t'es pas regardé. Thank you.